Dans son appellation multimédia interactif, il nous rappelle l'histoire des interfaces. Ce master a commencé au moment où l'on produisait des CD-ROM. Il s'est développé avec l'essor du web. Il continue aujourd'hui de suivre l'évolution des réalités professionnelles en épousant au-delà du web l'ensemble des interfaces dans l'espace, dans le mobile, dans les projections interactives, dans l'urbain, dans les différentes formes que prennent aujourd'hui les interfaces numériques. Après, ce qui est intéressant dans ce master, nous sommes à l'université, nous ne sommes pas dans une école de design, et pourtant, nous bénéficions d'un environnement pédagogique assez exceptionnel. Les étudiants sont placés en mode projet, ils ont leur salle dédiée, ils ont des moyens dédiés et récents, ils ont toutes les versions des logiciels professionnels, par exemple, mais c'est loin d'être le seul élément. Et dans leur formation, donc ils sont invités à réaliser des projets pour des clients réels. Le master, c'est une originalité que seule une université probablement pouvait offrir et constituée en junior entreprise. Donc le master a le statut également d'une agence interactive qui du coup a un nom différent, l'agence Multimédia Sorbonne. Et grâce à ce statut, les étudiants, notamment au deuxième semestre, puisque c'est un master 2 professionnel, eh bien, on leur demande de se trouver un client, de gérer avec lui la relation commerciale, la relation de projet, de concevoir, produire, créer, développer, livrer le projet et l'ensemble des gains financiers qui sont réalisés grâce à ces projets permettent au master de s'autofinancer en partie et d'avoir ainsi à la fois des moyens et une autonomie assez rare dans le monde universitaire. Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.